2 Chroniques, chapitre 25. Amatsia, roi de Juda. Victoire sur les Édomites. Amatsia devint roi à l'âge de 25 ans, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Joadan de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Lorsque la royauté fut affermée entre ses mains, il fit périr ses serviteurs qui avaient tué le roi, son père. Mais il ne fit pas mourir leur fils, car il agit selon ce qui est écrit dans la loi, dans le livre de Moïse, où l'Éternel donne ce commandement. On ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères, mais on fera mourir chacun pour son péché. Amatsia rassembla les hommes de Juda et les plaça d'après les maisons paternelles, les chefs de milliers et les chefs de centaines pour tout Juda et Benjamin. Il en fit le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et il trouva 300 000 hommes d'élite en état de porter les armes, maniant la lance et le bouclier. Il prit encore à sa solde dans Israël 100 000 vaillants hommes pour 100 talents d'argent. Un homme de Dieu vint auprès de lui et dit, « Ô roi, qu'une armée d'Israël ne marche point avec toi, car l'Éternel n'est pas avec Israël, avec tous ses fils d'Éphraïm. Si tu vas avec eux, quand même tu ferais au combat des actes de vaillance, Dieu te fera tomber devant l'ennemi, car Dieu a le pouvoir d'aider et de faire tomber. » Amatsia dit à l'homme de Dieu, « Et comment agir à l'égard des 100 talents que j'ai donnés à la troupe d'Israël ?» L'homme de Dieu répondit, « L'Éternel peut te donner bien plus que cela. » Alors Amatsia sépara la troupe qui lui était venue d'Éphraïm, afin que ses gens retournassent chez eux. Mais ils furent très irrités contre Juda, et ils s'en allèrent chez eux avec une ardente colère. Amatsia prit courage et conduisit son peuple. Il alla dans la vallée du sel et il bâtit 10 000 hommes des fils de Séir. Et les fils de Juda en saisirent 10 000 vivants, qu'ils menèrent au sommet d'un rocher, d'où ils les précipitèrent, et tous furent écrasés. Cependant, les gens de la troupe qu'Amatsia avait renvoyée pour qu'ils n'allassent pas à la guerre avec lui, firent une invasion dans les villes de Juda depuis Samarie jusqu'à Beth-Horon, y tuèrent 3 000 personnes et enlevèrent de nombreuses dépouilles. Guerre funeste entre Joas, roi d'Israël, conspiration contre Amatsia, sa mort. Lorsqu'Amatsia fut de retour après la défaite des Édomites, il fit venir les dieux des fils de Séir et se les établit pour Dieu. Il se prosterna devant eux et leur offrit des parfums. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Amatsia et il envoya vers lui un prophète qui lui dit, « Pourquoi as-tu recherché les dieux de ce peuple quand ils n'ont pu délivrer leur peuple de ta main ?» Comme il parlait, Amatsia lui dit, « Est-ce que nous t'avons fait conseiller du roi ? Retire-toi, pourquoi veux-tu qu'on te frappe ?» Le prophète se retira en disant, « Je sais que Dieu a résolu de te détruire, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas écouté mon conseil. » Après s'être consulté, Amatsia, roi de Juda, envoya dire à Joas, fils de Joachaz, fils de Jéhu, roi d'Israël, « Viens, voyons-nous en face. » Et Joas, roi d'Israël, fit dire à Amatsia, roi de Juda, « L'épine du Liban envoya dire au cèdre du Liban, « Donne ta fille pour femme à mon fils. » Et les bêtes sauvages qui sont au Liban passèrent et foulèrent l'épine. « Tu as battu les Édomites, penses-tu, et ton cœur s'élève pour te glorifier. Reste maintenant chez toi. » Pourquoi t'engager dans une malheureuse entreprise qui amènerait ta ruine et celle de Juda? Mais Amatsia ne l'écouta pas, car Dieu avait résolu de les livrer entre les mains de l'ennemi, parce qu'ils avaient recherché les dieux des dons. Et Joas, roi d'Israël, monta et ils se virent en face, lui et Amatsia, roi de Juda, à Beth-Shemesh, qui est à Juda. Juda fut battu par Israël et chacun s'enfuit dans sa tente. Joas, roi d'Israël, prit à Beth-Shemesh Amatsia, roi de Juda, fils de Joas, fils de Joachaz. Il l'emmena à Jérusalem et il fit une brèche de 400 coudées dans la muraille de Jérusalem, depuis la porte d'Éphraïm jusqu'à la porte de l'angle. Il prit tout l'or et l'argent et tous les vases qui se trouvaient dans la maison de Dieu. Chez Obed-Edom,
et les trésors de la maison du roi. Il prit aussi des otages et il retourna à Samarie. Amatsia, fils de Joas, roi de Juda, vécut 15 ans après la mort de Joas, fils de Joachaz, roi d'Israël. Le reste des actions d'Amatsia, les premières et les dernières, cela n'est-il pas écrit dans le livre des rois de Juda et d'Israël? Depuis qu'Amatsia se fut détourné de l'Éternel, il se forma contre lui une conspiration à Jérusalem et il s'enfuit à Lachis. Mais on le poursuivit à Lachis où on le fit mourir. On le transporta sur des chevaux et on l'enterra avec ses pères dans la ville de Juda. Deux Chroniques, chapitre 26. Ozias, roi de Juda. Prospérité et force. Tout le peuple de Juda prit Ozias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amatsia. Ozias rebâtit Elot et la fit rentrer sous la puissance de Juda après que le roi fut couché avec ses pères. Ozias avait 16 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amatsia son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Il se mit en guerre contre les Philistins, et il abattit les murs de Gath, les murs de Jabné et les murs d'Asdod, et construisit des villes dans le territoire d'Asdod et parmi les Philistins. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gur-Baal et contre les Maonites. Les Ammonites faisaient des présents à Ozias, et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte, car il devint très puissant. Ozias bâtit des tours à Jérusalem, sur la porte de l'angle, sur la porte de la vallée et sur l'angle, et il les fortifia. Il bâtit des tours dans le désert, et il creusa beaucoup de citernes, parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans les vallées et dans la plaine, et des laboureurs et des vignerons dans les montagnes et au Carmel, car il aimait l'agriculture. Ozias avait une armée de soldats qui allaient à la guerre par bandes comptées d'après le dénombrement qu'en firent le secrétaire Jehiel et le commissaire Maaseja, et placés sous les ordres de Hanania, l'un des chefs du roi. Le nombre total des chefs de maison paternelle, des vaillants guerriers, était de 2600. Ils commandaient à une armée de 307 500 soldats capables de soutenir le roi contre l'ennemi. Ozias leur procura pour toute l'armée des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des frondes. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placé sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et de grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Acte de profanation dans le temple. Ozias frappé par la lèpre. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux qui s'opposèrent au roi Ozias et lui dirent « Tu n'as pas le droit, Ozias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché. » Et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. La colère s'empara d'Ozias, qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front. En présence des sacrificateurs, dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui. Et voici, il avait la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment dehors, et lui-même se hâta de sortir, parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Ozias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotham, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Le reste des actions d'Ozias, les premières et les dernières, a été écrit par Isaïe, fils d'Amoz,
le prophète. Ozias se coucha avec ses pères et on l'enterra avec ses pères dans le champ de la sépulture des rois, car on disait, il est lépreux. Et Jotham, son fils, régna à sa place. Amen. C'était 2 Chroniques chapitre 25 et 2 Chroniques chapitre 26. Que Dieu vous bénisse. Amen.